3, 2, 1. Je m'appelle Ellie, j'ai 19 ans et je suis venue avec mon copain Calvin. Ça fait environ 6 mois qu'on est ensemble. On s'est rencontrés au travail. Je suis manager. Je lui dis quoi faire, mais c'est elle qui veut toujours me donner des ordres. Aujourd'hui, on n'est pas au boulot, donc je peux faire ce que je veux, quand je veux. On échange beaucoup, on s'entend super bien. Elle a des yeux d'un bleu perçant, un joli sourire et elle est pétillante. C'est vraiment une fille adorable. Calvin est super drôle. Autrement, je ne serais pas avec lui. Il est marrant et je suppose qu'on peut dire qu'il est plutôt beau gosse. Je suis à la fois assez stressée et enthousiaste. Je tremble de partout. Vous êtes ensemble depuis environ 6 mois. 6 mois, oui. 6 mois? C'est tout? Oui. Je ne laisserai jamais quelqu'un avec qui je sors depuis seulement 6 mois me choisir un tatouage. Non, attendez. Je me suis fait tatouer un oiseau représentant une relation au bout de 6 jours. Bref. Vous vous connaissez d'où? Du travail. Ouais. Il me laissait des petits mots sur des post-it. Il y avait quoi sur les post-it? Ne dis pas. C'était explicite. Des trucs cochons? Des mots salaces au travail? Avec ça, n'importe quelle fille serait séduite. Tiens, Charlotte, lis ça. Je vais même pas l'ouvrir. Je sais pas à quoi tu joues. T'es prêt à le voir? Ouais, c'est bon. Ok. 3, 2, 1. Elle va me tuer. Tu veux le voir? Oui. 1, 2, 3. Oh la vache! C'est quoi ce bordel? J'y crois pas. J'en suis pas sûr à 100%, mais je parie que ce tatouage est un règlement de compte et qu'il est un peu méchant. Ça va? Oui, et toi? Enchanté. Tu trembles? Je sais, j'ai la trouille. Vraiment. Qu'est-ce que tu fais ici? Honnêtement, je sais pas. On m'a demandé de te tatouer sur le torse. Ce sera sur le dos. T'es pas sérieux? Oh non! Tu pourras pas le cacher. Ça fait super mal. On va compter jusqu'à 8. Oh là là. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'y crois pas, j'ai un crâne chauve sur le torse. Je sais pas si je dois rire ou pleurer. C'est quoi l'histoire derrière ce tatouage? Il se plaint toujours que son front se dégarnit. Il veut se faire des implants. Je lui ai dit d'arrêter de se plaindre. Tada! Calvin, tu complexes sur tes cheveux? Oui, beaucoup. Je trouve que ça te rajeunit. J'y crois pas. Aucun homme ne veut s'entendre dire qu'il devient chauve. Heureusement pour moi, cette chevelure n'ira nulle part. Bon, à 3. 3. 2. 1. Je ne veux pas me retourner. Oh là là, Calvin! Qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Bordel, qu'est-ce que t'as fait? Oh là là! Calvin, tu nous expliques? Elle dit toujours que ses oreilles sont trop petites. Et elle se plaint tout le temps que je lui achète rien. Donc comme ça, elle a de grandes oreilles et de belles boucles d'oreilles en diamant. Elles sont énormes. Je veux même plus les regarder. La vache. Ellie, tu peux lui pardonner? C'est absolument horrible. C'est une horreur, Calvin. C'est vraiment atroce. Au moins, tu n'auras pas besoin d'appareil auditif. Au moins, t'en rigoles. Ça ira un peu mieux après un câlin? Il est vraiment trop bête. Oh. C'est trop bête. Allez, venez. Oh là là.